exposé le texte de Genèse chapitre 3 que j'ai lu hier. Et après cela, nous préparons le livre de Matthieu chapitre 13. Genèse chapitre 3. Le verset 18. Je peux même lire le verset 17, partie B. Le sol sera maudit à cause de toi. Et c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tout le jour de ta vie. Il te produira des épines et de ronces et tu mangeras de l'herbe de champ. Matthieu chapitre 13. Je vais lire à partir du verset 3 et jusqu'au verset 9. Un semeur sortit pour s'aimer comme il s'aimait. Une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et le mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute des racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. À une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Que celui qui a des oreilles entende, que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Celle-ci est la parole de Dieu. Je vous prie de vous asseoir dans la présence de notre Dieu. Alors ce soir, très rapidement, je ne fais que balayer le chemin pour notre évêque. Je fais le travail vraiment de Jean-Baptiste. Cette journée, il s'est enfermé toute la journée dans la chambre. Je ne sais pas ce que Dieu va faire ce soir. Donc j'ai hâte. Je vais faire vite pour quitter le chemin. J'aimerais nous parler sur les quatre types de terres sur lesquelles nous devons parler afin que ceci nous donne ce qui est notre héritage. Quatre types. De terre, quatre types de terre. Hier, je nous ai dit dans mon intervention que la relation que nous avons avec Dieu influence le comportement de la terre à notre égard. Et aujourd'hui, alors que j'étais en train de préparer, je suis tombé sur un verset de Lévitique 18, verset 25. Je pensais vous le donner juste pour enrichir ce que j'ai dit hier, Lévitique 28-25. La Bible dit, le pays en a été souillé. Je punirai son iniquité et le pays vomira ses habitants. Le pays vomira ses habitants. C'est-à-dire que la façon dont une personne s'est comportée a influencé le comportement de la terre à son égard. La terre vomit une personne. La terre éjecte une personne parce que la personne a eu un comportement qui a dit, dont la terre a dit non, ce comportement ne mérite pas que tu sois au-dessus de moi. Et je nous ai dit hier que la bénédiction qui repose sur nos vies change la réalité et les comportements de la terre. C'est sur la même terre où les autres jouent que nous, nous avons l'opportunité de réussir parce que ce qui repose sur nous influence non seulement nos vies, mais influence aussi la terre sur laquelle nous nous tenons. J'écoute Dieu dire à Josué, tout lieu où foulera la plante de ton pied, je te la donne. Ce n'est pas seulement un héritage,
mais tu as l'autorité et la capacité d'influencer cette terre. Dans le texte que nous avons lu de Matthieu, Jésus nous parle en parabole concernant un semeur qui est sorti pour s'aimer. En réalité, lorsqu'il va s'aimer, il a l'intention d'aller mettre sa semence dans une terre précise. Je ne pense pas qu'il y ait un semeur qui sort pour aller juste jeter sa semence. Il y a une différence entre jeter sa semence et planter sa semence. Mais alors que le semeur sort pour aller semer et planter sa semence, la Bible dit, au long du chemin, la semence a commencé à tomber de manière involontaire. Ce n'était pas l'intention du semeur à ce que la semence tombe sur différents types de terres, mais Dieu a utilisé ces paraboles pour nous enseigner quelques vérités sur les types de terres. La semence tombe et la première terre sur laquelle la semence tombe, c'est ce que Jésus dit, une terre pierreuse. C'est-à-dire une terre remplie de rocs, une terre remplie de pierres, une terre qui n'est pas en réalité une terre douce, mais qui est une terre dure. Oh, ce soir, j'aimerais te dire que le premier type de terre auquel nous devons faire face et surtout combattre dans la prière, c'est la terre pierreuse. Quelqu'un dise la terre pierreuse. Dis-le avec foi, la terre pierreuse. Qu'est-ce qui caractérise cette terre? Cette terre est caractérisée par la dureté de son sol. La dureté de son sol. Et ceci représente la souffrance, la dure labeur, ou une terre qui t'expose aux hostilités. Parce que la Bible dit que la semence qui est tombée dessus, elle a été exposée au soleil et le soleil l'a séchée. Bien aimé, il y a des terres, lorsque tu te poses dessus, ces terres t'exposent aux hostilités. Oh, tu ne me comprends pas, mais je vais t'amener dans le livre de Ruth, chapitre 1er. La Bible dit qu'il y avait un homme de Moab, de Bethléem, appelé Elimelec. Alors que cet homme, la Bible dit, la famine a frappé Bethléem, lui va prendre sa femme, ses enfants, ainsi que tous ceux qui habitaient dans sa maison, et vont habiter dans les pays de Moab. La Bible dit, 3 ans après, cet homme qui était parti avec toute sa famille, il se retrouve mort, ses 2 garçons morts, sa femme reste veuve, ses 2 filles, oh my God, ses 2 belles filles restent aussi veuves. Parce qu'ils ont quitté Bethléem, ils sont allés à Moab, et Moab est devenu pour eux un pays qui les a exposés à toute forme d'hostilité. Ce soir, je suis venu lever ma main sur l'autel de notre général apôtre Patrick Liav, afin de déclarer si tu as été exposé par la terre à toute forme d'hostilité. Ce soir, nous parlons à cette terre. Terre, terre, écoute la voix de l'Éternel. Toi qui m'as livré hier, toi qui m'as livré au combat, toi qui m'as livré à toute forme d'hostilité, cette année, ce trimestre de 2022, tu n'auras pas le même pouvoir de m'exposer au nom de... Bien-aimé, il y a des terres qui t'exposent. Il y a des terres qui t'exposent. Tu peux jouer le chant que mon évêque à mon révérend vicaire me chantait. Il y a des terres qui t'exposent aux hostilités. Il y a des terres qui ne savent pas te cacher. Il y a des terres qui ne savent pas te protéger. Bien-aimé, je me rappelle Maka Ladaya. La Bible dit que les mages ont vu l'étoile de Jésus briller. Partout où il venait, il suivait l'étoile. Arrivé à Jérusalem, mon révérend,
l'étoile a disparu parce que Jérusalem était une terre qui a voulu protéger, my God, son roi. Ils sont arrivés à Jérusalem, l'étoile a disparu. L'étoile n'a pas exposé Jésus, mais l'étoile a caché l'adresse où l'enfant était. Pourquoi? Parce que Hérode avait déjà donné instruction. Si vous savez, si vous connaissez l'adresse où est l'enfant, venez me dire afin que je l'adore. Mais en réalité, dans le cœur d'Hérode, c'était pour tuer l'enfant. C'est pourquoi la Bible va nous dire, lorsque les mages vont finalement retrouver l'adresse, qu'est-ce qui va se passer? L'ange va les apparaître devant eux et pour leur dire, ne rentrez pas vers Hérode. Il y a des terres qui te livrent. Je disais, il y a des terres qui te livrent aux hostilités. La semence est tombée sur une terre pierreuse et cette terre pierreuse a exposé la semence qui devrait être cachée, qui devrait être protégée, qui devrait être arrosée. La semence qui devrait être gardée, qui devrait être maintenue, qui devrait être gardée. Mais cette semence a été exposée au soleil. Et le soleil l'a étouffé, non, le soleil l'a brûlé. Avant même qu'elle ait la chance de vivre, avant même qu'elle ait la chance de donner l'identité de ce à quoi elle ressemble, avant même qu'on ne sache qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Vous savez, on peut avoir différentes graines, mais tu ne sauras jamais qu'est-ce que cet arbre, qu'est-ce qui est caché dans cette semence. Deux fois, même quand tu as une graine de citron ou une graine d'orange, tu ne sais pas différencier. C'est le pamplemousse, c'est l'orange, c'est le citron, c'est la mandarine. Ça ressemble, c'est tout est pareil. Il y a des gens bien-aimés, alors que tu essaies seulement de t'exposer, alors que tu essaies juste de commencer ton trajet avec Dieu, my God, il y a des esprits sur une terre qui commencent à t'exposer. Avant que les gens ne sachent ce que tu portes, tu es déjà mort. Avant que les gens ne sachent à quoi Dieu t'a appelé, tu es déjà mort. Ce soir, je lève ma main et je déclare toute forme de mort prématurée. Alors que tu es juste un embryon, alors que tu es juste une semence, alors que tu es juste une graine, je déclare cette mort est renversée au nom de... Tu quittes avec toute ta famille. Tu pars dans une terre. Et cette terre t'expose à ses hostilités. Bien aimé, il y a des gens. La terre de Lubumbashi t'a exposé à toute forme d'hostilité. C'est pourquoi ce soir, une des prières que nous allons faire, cette terre entrera en combat pour moi. Je disais, cette terre entrera en combat pour moi. Laisse-moi avancer. Deuxième type de terre, c'est que Jésus nous dit qu'elle est aussi tombée parmi les épines, une terre épineuse qui est caractérisée par l'esprit d'étouffement. Étouffement de grâce, manque d'épanouissement. Quand tu commences les affaires sur cette terre, tu avais les capitales jusqu'à ce que tu rentres, oh my God, dans des dettes. Tu ne quittes pas cette terre-là comme tu es rentré. On étouffe tout. La Bible dit, cette semence est tombée parmi les épines qui montèrent et l'étouffèrent. Une semence avec du potentiel.
Une semence qui a la capacité de devenir un arbre, de porter des fruits demain. Mais on ne saura jamais quelle était l'identité de cette semence. On ne saura jamais combien de fruits cet arbre allait donner. On ne saura jamais combien de générations cet arbre allait nourrir. Mais cet arbre est étouffé. Si tu es ce soir sur une terre épineuse, je déclare ce soir au nom de Jésus, de la même manière que Jésus a pris la couronne des épines, je déclare que ces épines sortent de ton chemin. Je disais, ça sort de ta maison. Je disais, ça sort de ton mariage. Je disais, ça sort de ton travail. Je dis, ça sort de ton bureau. Je disais, ça sort de tes finances. Je disais que tout esprit d'étouffement est effacé. Sans possibilité d'épanouir. Écoutez, tout ce que Dieu fait dans nos vies est sujet à la croissance. Je disais que tout ce que Dieu fait dans nos vies est sujet à la croissance, doit grandir. C'est impossible que tu restes le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous devons aller de gloire en gloire, de puissance en puissance. Il y a des gens bien-aimés, grandir tu ne grandis pas, évoluer tu n'évolues pas, prospérer tu ne prospères pas, tu es au même niveau. Tout ce que tu essayes de faire, il n'y a pas d'espace pour l'épanouissement et tu te sens étouffé. Ce soir, il y a une grâce qui sera libérée ici, où les capacités seront libérées, où les potentiels seront développés. Tu arriveras au maximum. Tu n'opéreras plus au minimum. Tu n'agiras plus au plus bas niveau de tes capacités. Dieu est en train de te déplacer du minimum au maximum. Je disais, Dieu te déplace du minimum au maximum. Je disais, Dieu te déplace du minimum au maximum. Ah. Terre épineuse. Je disais terre épineuse. Je crois que je vous avais donné ce témoignage ici. Dieu avait raison pour un temps de m'envoyer en Afrique du Sud pour mon épanouissement. Serais-je resté à Lubumbashi dans les conditions et dans les cadres de l'église, je ne serai pas la personne que vous voyez devant vous aujourd'hui. Je vais le dire encore, parce que l'église aussi peut devenir un environnement épineux. Surtout pour nous, enfants de pasteurs. Ce n'est pas grave, je vais le dire. Mon général va me protéger. Oui, l'église peut devenir un environnement épineux. Il y a des gens à la mouche Moukono Moubaï qui lèvent sa main, c'est un problème. Qu'il aille offrir, yépé. Tout le temps, aller offrir. Tout le temps. Non, regarde, il dérange aussi. Environnement épineux. Bartimée lève sa voix. Fils de David! Et pitié de... Oh, Bartimée ne savait pas qu'il était dans un environnement épineux. Tu déranges les maîtres. Toi aussi, chaque jour, fils de David, c'est quoi ton problème? Ma prière est que tu ne sois pas une épine qui étouffe. Oh, tu ne m'as pas écouté. Je disais, ma prière est que toi aussi, tu ne sois pas une épine qui étouffe la grâce, le potentiel, les dons que les autres ont. J'étais juste un simple kibodiste dans l'église de mon père. Les niveaux de combat que j'avais, c'est comme si j'étais pasteur. Simple kibodiste. Quand je voyais le fils de l'apôtre jouer, ça me rappelle mes jours.
quand il parle de son fils qui prend, hein, qui prend le drum des autres et tout ça. Ça me rappelle le jour, je faisais 30 juin qu'il est là-bas, là, juste aller vers Mpolo avec un grand synthé comme ça, moi, une taille comme ça. C'est un départ. Je disais, c'est un départ. Mais Dieu devrait nous enlever de l'environnement épineux pour qu'aujourd'hui nous soyons au service d'une génération. Je disais, Dieu devrait nous enlever de l'environnement où, si j'étais resté là, je vous assure. Premièrement, ça allait me donner le dégoût de servir Dieu. Je n'aurais jamais eu la joie de servir Dieu à cause de la douleur que cela allait provoquer dans mon esprit. Quand mon visa de l'Afrique du Sud sort pour que j'aille, pour moi, ce n'était pas seulement « Ah, je pars dans un autre pays. » Quelle délivrance! Hey! Quelle délivrance! Et aujourd'hui, je rentre. Certaines personnes sur qui je suis pasteur, ce sont des personnes dans une autre saison qui n'avaient pas compris. Aujourd'hui, leurs yeux, le voile est tombé. Ils comprennent les choses autrement. Ils comprennent que non, il y a des choses que tu ne comprends pas aujourd'hui, ne les combats pas. Il y a des choses où tu n'as pas reçu la lumière, ne combats pas. Le jour où le voile tombera de tes yeux, tu sauras aussi ce que l'autre avait connu déjà les années avant. L'environnement épineux, la terre épineuse, elle étouffe. Elle étouffe. Elle étouffe. Elle étouffe. En réalité, elle est accompagnée par l'esprit des pitons. Parce que le piton n'est pas un serpent venimeux, mais il tue en étouffant. Ses paroles ne tuent pas, mais ses actes. Non, tu ne m'as pas écouté. Quelqu'un qui semble doux dans les paroles, mais lorsqu'il agit, bon, j'évolue. Troisième type de terre, bien-aimé. C'est ce que j'appelle terre tueur de ses habitants. Nombre 13, verset 31 jusqu'à 32. Lorsque Moïse envoie les espions aller espionner la terre que Dieu nous a dit. La terre que Dieu nous a promis. Allez voir à quoi ressemble. Il dit, réalité vraiment, c'est la terre où coule le lait et le miel. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dire, nous ne pouvons pas monter contre ces peuples car il est plus fort que nous. Deuxième, 32, ils décrièrent devant les enfants d'Israël les pays qu'ils avaient explorés et dire, lisez avec moi 1, 2, 3. Les pays que nous avons parcourus pour explorer est, allons-y, est un pays qui fait quoi? Tu comprends ça? Une terre qui fait quoi? Qui dévore ses habitants. Et c'est parmi les choses qui caractérisent aussi notre pays. C'est une terre qui dévore ses habitants. Une terre qui tue ses prophètes. Non, vous ne m'avez pas écouté. Je disais, une terre qui tue ses prophètes. Une terre qui. Lorsque quelqu'un est déjà faible, on l'écrase pour le finir. Ça ne sera pas ton cas. Je dis, même si c'est une terre qui dévore ses habitants, je déclare que toi tu échappes. Je disais 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 que toi tu échappes. Toi tu échappes. Ils vont dévorer tout le monde, mais arriver à ton tour. Ah, pas si, n'a pas si. Je disais, arriver à ce niveau ici, arriver au cours.
toi tu ne seras pas digéré. Je disais, toi tu ne seras pas digéré. Même si la terre sur laquelle tu vis, tout celui qui est passé avant toi a été dévoré, a été tué, a été précipité dans son tombeau, je déclare au nom de Jésus, la terre sur laquelle toi tu te tiens, c'est une terre qui te célébrera. Je disais, c'est une terre qui te célébrera. Oh, malekadayabarada. Sous l'autorité de cet autel, je prophétise sur notre apôtre. Je déclare ce pays, ce continent, cette ville, cette province vous célébrera. Où sont les fils et les filles de cet homme de Dieu qui peuvent me prêter leurs mains et célébrer à partir de ce jour de manière prophétique, en disant, Yahweh, nous déclarons qu'à partir de ce jour, cette terre de Lubumbashi, cette terre du Haut-Katanga, cette terre de la RDC, cette terre de l'Afrique, cette terre des cinq continents célébrera. De la même manière, tu l'as fait pour lui, je le déclare, ça sera fait pour toi aussi. Je disais, ça sera fait pour toi aussi. La terre qui dévore ses habitants ne sera pas ton témoignage. Je disais, la terre qui dévore tes habitants ne sera pas ton témoignage. Toi, tu vas échapper. Tes enfants vont échapper. Ta famille va échapper. Je disais, la terre qui a dévoré les autres ne va pas dévorer ce qui est à toi. Je dis, ne va pas dévorer ce qui est à toi. Il y a des terres qui dévorent les mariages. Il y a des terres qui dévorent les destinées. Il y a des terres qui dévorent les enfants. Il y a des terres qui dévorent, my God, l'avenir. Mais ce soir, la terre sur laquelle tu te tiens, Makela Dazabara, Pekele Dayamasha, Zokala Tadabaka Yamaradasa, Pekala Dayamarada, je déclare au nom de Jésus, cette terre te célébrera. Quatrième type de terre, et je finis, c'est ce que j'appelle la terre révélateur. Terre révélateur, c'est une bonne terre. Je disais, la terre révélateur est une bonne terre, parce que personne ne savait à quoi ressemblait l'identité de la graine jusqu'à ce qu'elle tombe dans une bonne terre. Il y a des gens, pasteur Jeannot, qui ne vous connaissent pas, jusqu'à ce que vous puissiez tomber sous une bonne terre. Il y a des gens qui ne sauront jamais ce que tu portes, jusqu'à ce que tu tombes sous une bonne terre. Il y a des gens qui sont ignorants de la grâce qui est sur ta vie, jusqu'à ce que tu tombes sous une bonne terre. Il y a des terres, my God, qui ont eu des informations erronées, des fausses informations, les informations sponsorisées par l'enfer. Mais il y a des terres, une fois qu'elle t'a reçue, elle révèle ta dimension. Elle révèle ce que tu es supposé être. Elle te révèle dans toutes ses dimensions. Lorsque les gens te regardent, ils ne te voient pas comme seulement une simple graine, mais ils te regardent comme celui que Dieu a fait à son image. Bien aimé, il y a des terres qui a tué ses prophètes, mais la Bible dit, alors que Jésus est allé dans son village natal, Makela Brasodagaya, la Bible dit, parce que les gens là-bas n'avaient pas de foi, ils étaient indignés de sa personne. Il n'a pas pu faire les miracles. Ils n'ont pas pu connaître c'était qui le Messie. Mais il y a d'autres terres qui célèbrent et reconnaissent et révèlent ce que tu es en train de porter. J'aimerais dire à quelqu'un, on t'a refusé ici. Ce n'est pas un problème. Il y a une terre qui va révéler le Michael Adayabaha, les diamants que Dieu a investis en toi. Il y a une terre qui va célébrer ce que Dieu a placé au-dedans de toi. C'est pourquoi, si la
famille de Joseph, Makela Dayabara, c'était une famille que j'appelle une famille péreuse, parce qu'ils l'ont exposé aux hostilités. Mais Kala Dayaba, si la maison de Potiphar était une terre que j'appelle épineuse, parce qu'elle a essayé d'étouffer la grâce sur la vie de Joseph. Si la terre, oh my God, dans la prison, était une terre, mais Kala Dayabara, je vais venir dire à quelqu'un, mais la primature est une terre qui va révéler qui est Joseph. C'est une terre qui va révéler qu'est-ce qui est en Joseph. C'est dans une terre qui va révéler qu'est-ce que Dieu a placé au-dedans de Joseph. Lève ta main après moi, dis Yahweh, laisse que cette année, la terre sur laquelle je me tiens, révèle ce que tu m'as donné. Révèle ce que tu as placé en moi. Je finis par ce témoignage. Je finis par ce témoignage. Il y a un homme de Dieu puissant que Dieu a appelé de manière authentique. Il est allé faire service dans une contrée. Le travail était dur. Il donnait le meilleur de lui-même, mais il n'y avait pas de résultat. Il démontrait, il était utilisé par Dieu dans une forte profondeur. Mais cependant, il n'y avait pas de résultat. Il entend Dieu lui dire, prends tes bagages, va dans une autre ville. C'est là que je rendrai ton nom grand. Je suis en train de parler de Bishop T.D. Jakes. Il avait une petite église dans le West Virginia. Il prend, plie bagages. Il dit à ses membres, si tu veux me suivre, suis-moi. Mais moi ici, c'est fini. Il prêchait comme il prêche toujours. Mais dans une terre qui a refusé de les révéler. Il arrive à Dallas avec le même message. Les gens d'Azusa apprennent qu'il y a un pasteur noir qui prêche avec puissance. On l'invite à prêcher. À ce temps-là, les revival, les campagnes de réveil d'Azusa réunissaient le plus grand nombre de personnes. Et c'était une plateforme qui avait de l'espace même à la télé. Les messieurs prêchent comme ils prêchaient dans l'autre terre. Soudainement, les gens de TBN le voient, l'entendent. Il dit, c'est qui cet homme? C'est qui cet homme qui prêche en transpirant comme ça? Quelle profondeur! Cette profondeur, il avait ça dans une autre terre. Cette profondeur, il avait ça dans une autre terre. Mais cette terre-là refusait de les révéler. En lui, il y avait 30%, 60%, 100% de potentiel. Mais cependant, la terre a refusé les scènes. Après, il est invité pour aller prêcher sur Tibien. Le reste est histoire. Il est ce qu'il est aujourd'hui. À cause de l'obéissance d'aller dans la terre où Dieu l'a placé. Bien aimé, il y a des terres ascenseurs. Il y a. Oh my God, tu ne m'as pas écouté. Je dis, il y a des terres ascenseurs. Il y a des terres, my God, lorsque tu arrives là, ça ne prend pas le temps pour arriver là où tu dois être. Et Dieu me dit que cette conférence est cette terre pour quelqu'un. Je disais, cette conférence est cette terre pour quelqu'un. Tu as été dans une terre pierreuse, tu as été dans une terre qui étouffe, tu as été dans une terre, tu es des géants,
Dieu me dit que cette conférence est une terre révélateur. Est une terre révélateur. Il y a des bouches qui annonceront ton nom. Il y a des grands qui vont prendre les micros, annoncer ton nom. Parce que lorsque Dieu te place sous une bonne terre, la Bible dit, elle produit 30, certains 60 et certains 100. Il y a du potentiel en toi. Il suffit juste d'être sur la bonne terre. Ma prière ce soir, les cabrazodeya, que la terre sur laquelle tu te tiens, à partir de ce jour, devienne pour toi une terre révélateur. Je disais, devienne pour toi une terre révélateur. Je disais, devienne pour toi une terre révélateur. Toi qui tes affaires sont cachées, aucun, my God, client n'arrive dans ton magasin, dans le lieu de tes activités. Je lève ma main et je déclare au nom de Jésus que la terre te révèle. La terre qui t'a caché te révèle. La terre qui t'a combattu te révèle. La terre qui ne pouvait pas te donner la capacité de te multiplier. Cette fois-ci, nous parlons à cette terre, que cette terre te révèle. Je disais que cette terre te révèle. Dis après moi, terre, ô terre, au nom de Jésus, tu as englouti les autres. Tu as étouffé les autres. Tu as tué les autres. Mais en ce qui me concerne, moi, Yelo Lukama, envoyé de Dieu, établi par Dieu, ou par le Seigneur, je déclare, ô terre, révèle ma grandeur. Je t'ai pas écouté, ô terre, révèle ma grandeur. Plus fort que ça, ô terre, révèle ma grandeur. Plus fort que ça, ô terre, révèle ma grandeur. Encore fort, ô terre, révèle ma grandeur. 2022, écoute le son de ma voix. Ô terre, ô terre, ô terre, révèle ma grandeur. Ô nom de, pendant 30 secondes, lève ta voix. Déclare que la terre révèle ta grandeur. Révèle ta grandeur. Come on. Que la toyabasha. Repala kadayama. Zepa kadayabasa. Lève ta voix. Ah. Ah. Come on. Come on. Come on, come on, terre, révèle ma grandeur. Lubumbashi, révèle ma grandeur. Johannesburg, révèle ma grandeur. South Africa, reveal my greatness, reveal my greatness, reveal my greatness, reveal my greatness. Holland, 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 reveal, rehekata yabara. Zekalata da yabasha, pekele kata yabasha, lekalata da kata yabasha. Hey! Hey! Révèle, 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 révèle. Shakadaya! Au nom de Jésus. Juste une minute de plus. Genèse chapitre 12. L'Éternel dit à Abraham, quitte ta patrie, quitte ton pays, quitte la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Verset 2. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Tout ce que Dieu est en train de dire,
Il le dit, je veux le faire, mais je ne peux pas le faire dans la terre où tu es. Tu ne m'as pas écouté. Je veux faire toutes ces choses, rendre ton nom grand, faire de toi une grande nation, te bénir, faire de toi une source de bénédiction. Mais la terre où tu es, il est impossible que ton nom soit grand. Bien-aimé, dans l'aspect spirituel maintenant, nous ne parlons pas seulement de la terre physique. Sur quelle terre repose ta vie? Sur quelle terre repose ton esprit? Sur quelle terre repose ta vie? Ce soir, j'ai pris bagage. Je vais sur la terre où mon nom sera grand. Mekaladayabra. Je vais sur la terre où je deviendrai une grande nation. Je vais sur la terre où mon nom sera grand. Je vais sur la terre où Dieu fera de moi une source. Déclare après moi en battant les mains, j'ai pris bagage au nom de Jésus. Ce soir, je déclare un déménagement spirituel de toute terre qui m'a étouffé, de toute terre qui a été mon étoile, de toute terre qui m'a emprisonné dans la petitesse, dans la médiocrité. Je marche vers la terre qui rendra mon nom grand. Je vais vers la terre qui va révéler la grandeur de mon nom, la grandeur de mon étoile, la grandeur de mon onction, la grandeur de mon appel. Déclare après moi, Yahweh, je sors. Prends 30 secondes, fais une prière de feu au nom de Jésus. Comment? Est-ce que tu peux lever ta voix?